grotte où Léo, mon chien, ne voulait pas aller dans l'eau. Eh bien, je sais pourquoi. Il ne sait pas nager, le pauvre. Mais on va pas le laisser comme ça. J'ai une solution. Vous venez? Salut Léo, ça va? Tu fais quoi? Je me repose un peu, Barbie. Ça te dit d'aller nager avec moi dans la mer? La prochaine fois, peut-être. Écoute, Léo, je sais que tu sais pas nager. Oui, c'est vrai, Barbie, mais j'osais pas te le dire. Mais c'est pas grave du tout, Léo. Tu dois pas avoir honte. Moi aussi, avant, je savais pas nager. Et j'ai appris, c'est tout. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Allez, suis-moi. Je vais te présenter quelqu'un qui va t'aider. Bonjour, c'est toi, Léo? Oui, c'est moi, madame. Tu peux m'appeler Ayla, tu sais. Alors, tu viens avec moi, je vais t'apprendre à nager. Bonne chance, Léo! Oui, voilà, c'est parfait comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose, mais sans la bouée. Sans la bouée? Mais j'y arriverai jamais. Oh, je vais me noyer, c'est horrible! Léo, tu vas pas te noyer, tu es à pied, regarde. Oh oui, c'est vrai. Voilà, maintenant, tu fais pareil que quand t'avais la bouée. Waouh, Barbie va être super fière de toi. Bravo Léo, tu nages comme un poisson maintenant, je suis impressionnée. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta queue de sirène? Tout va bien Léo, n'aie pas peur. Je peux me transformer en sirène quand je veux, regarde. Wow, mais t'es vraiment une magicienne Ayla. Julie, on va à la piscine. Et toi alors? Comment as-tu appris à nager ?